Une femme est venue me voir à la fin d'un spectacle et m'a dit « J'aimerais être vous ». Waouh. Alors j'ai envie de vous raconter toutes ces femmes et aussi tous ces hommes qui m'ont permis de me construire, tous ces modèles. Je vous parle de ma mère. Ma mère était espagnole et catholique, donc t'es une fille, t'es une pute. Je pense qu'il faudrait faire un stage Monica Bellucci. On apprendrait à s'ancrer dans notre puissance et ne plus avoir peur de nos atouts. Des gros seins, une bouche pulpeuse. Tout ça, c'est des choses que je peux comprendre, c'est des trucs qui se voient. Mais en ce qui concerne notre vagin, quand on voit l'investissement par rapport au taux de fréquentation... Sur 580 volontaires qui ont répondu à une enquête, 35% des femmes n'ont jamais vu leur clitoris et 34,5% des femmes n'ont jamais osé partir en exploration, alors que 100% des hommes ont vu leur bite. Voilà papa, pourquoi je veux être Wonder Woman. Je veux que l'amour me donne des ailes et pas qu'il m'emprisonne. Je veux qu'il me rende forte et pas soumise. Je veux influencer ma vie et pas m'y conformer. Pour aller bien, ce qu'on met dans son assiette est aussi important que ce qu'on met dans son lit. Et ce soir, il y en a qui vont dormir par terre. Apprenons à être douces avec nous-mêmes. Apprenons à nous regarder, non pas en ennemi, mais en complice, en modèle. Je ne connais pas une femme qui n'ait pas subi quelque chose. L'important, c'est ce qu'on en fait. Sinon, tout ça, ça va se finir comme avec la pollution. Les femmes sortiront les jours pairs, et les hommes, les jours impairs. Et un homme en impair, on sait ce que ça cache.